ça y est, avec ce soir, chez vous, Annie Lemoine, Perry Cochin, Christophe Alévèque, Caroline Diamant, Stevie Boulet et Philippe Vandel. La suite de l'histoire, Caroline. Oui. Alors, c'est un mari et sa femme qui sont en train de faire du shopping un samedi après-midi. Le mari dit « Écoute, c'est l'anniversaire de ma mère demain. Qu'est-ce que t'en penses si on lui achetait un appareil électrique ?» Sa femme dit « Ah, super idée. Qu'est-ce que tu penses d'une chaise ?» C'est pas mal pour un début. Tu dis bon week-end? Très bon week-end. C'est vrai? J'ai fait de la Harley Davidson. Vous avez fait de la Harley quoi? En Suisse normande. David. Pas Davin. Davidson. Davidson. Oui, Davinson. Harley non, Davidson. Davidson, pas Davinson. Oui, bah je le dis vite, c'est pour ça. Oh, tu le dis mal, surtout. Attendez, attendez, vous avez le droit de faire de la Harley Davidson sans permis? Non, moi j'étais sur le fauteuil en cuir derrière. Et qui était devant? Bruno, un ami. J'étais en Suisse normande, dis donc. Je savais pas qu'il y avait de la, une Suisse en Normandie. On en a avec, avec un précipice de 118 mètres, hein, c'est impressionnant. C'est pas vrai, oh, sacré Bruno. Et si, j'ai surtout lu le livre qu'on parlera mercredi. Dont on parlera. Qu'on parlera. Eh ben, tu l'as pas lu en, tu l'as pas lu en entier alors. Qu'on évoquera. Vous, Annie Lemoine, bon week-end. Excellent, je vous remercie. J'ai fêté l'anniversaire de mes neveux et nièces, des triplés qui ont 7 ans, et c'était fabuleux. Voilà, des triplés? C'est pas celle qui chante Choupetta, j'espère. Putain, l'horreur d'anniversaire. Choupetta, Choupetta. Non, c'est pas ça. Allez, je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de Bill Clinton qui réussit à voler la vedette à George Bush en étant premier dans les pontages. L'ex-président des États-Unis est en effet hospitalisé à New York. Il n'a pas hésité une seconde. À la première alerte, on lui a dit qu'il devait subir un pontage. Il a compris pompage. Il s'est foutu au lit tout de suite. Faut quand même savoir que si le président Clinton a des problèmes de cœur, comme le titrait hier le journal du dimanche, c'est entre autres à cause de son appétit vorace, sa gourmandise et surtout son goût immodéré pour les fast-foods, les hamburgers. Alors en même temps, c'est une vraie question qu'on peut se poser ce matin. Est-ce qu'il vaut mieux bouffer chez McDo et être comme Bill Clinton ou ne pas bouffer chez McDo et terminer comme ça? Non mais il est vachement mignon parce que vous avez entendu ce qu'il a dit, il a dit j'ai peur mais pas trop. Il est fort en communication cet homme-là. Vous imaginez un homme politique français dire ça? Non, c'est typiquement lui et typiquement américain. Il est très fort dans la façon de communiquer. C'est une phrase d'enfant, c'est une phrase de petit-neveu ça, voilà. J'ai peur mais pas trop. Un ancien président des États-Unis qui se fait opérer du cœur et qui dit ça, c'est incroyable quoi. Non, oui. Vous trouvez pas? C'est un peu comme quand il a dit j'ai pas trompé, je me suis juste fait sucer, c'est ça, c'est le... Pareil. On revient à la photo de José Bové, photo prise hier, puisqu'il a à nouveau été arrêté en pleine tentative de fauchage d'un champ de maïs transgénique. Il a été libéré au bout de 2 heures à cause de l'odeur. Mais sur cette photo, regardez bien, on a l'impression que José Bové fait un malaise, en fait. Hein. Bon, faut dire que par cette chaleur, le fauchage à fond, c'est pas conseillé. Hein. Allez, d'autres photos, celle des dégâts provoqués, hélas, par le cyclone Francis sur la côte est des États-Unis. On a la photo des dégâts, regardez, on les voit là maintenant. Et maintenant, je vais vous montrer la photo du cyclone Francis. Regardez, voilà. Oh. Et ben, je vais vous dire, Francis, il y a longtemps qu'il n'avait pas fait déplacer autant de monde. Ouais. Je trouve drôle, à chaque fois qu'il y a un cyclone, il leur donne des prénoms. Celui d'avant, c'était Charlie. Il y en a un qui arrive qui s'appelle Yvan, il paraît. Yvan, c'est dans la... Tiens, Yvan vient à la maison, 27 morts. Mais ça a changé, enfin, il y avait une polémique énorme. Vous vous souvenez pas, dans les années 70, parce que les cyclones n'avaient que des noms de femmes. Et les féministes avaient gueulé en disant pourquoi c'est toujours des femmes qui annoncent, qui font les catastrophes. Enfin, non, cyclone ouragan, mais autrement pour les typhons qui se passent plus au niveau de l'océan Pacifique. Monsieur Météo. Attention. Alors, non, mais pour les typhons, on donne souvent des noms d'hommes, mais pour les cyclones, des noms de femmes. La femme pour l'Atlantique et l'homme pour le Pacifique. Dommage que j'ai pas de stylo, j'aurais dû noter. Allez, une autre photo.
Celle de Nicolas Sarkozy et Jean-Pierre Raffarin, hier à Avoriaz, devant les militants de l'UMP. Les gestes de la main de l'un et de l'autre sont très révélateurs. Regardez le Premier ministre qui semble dire « Je suis content, mes cocus !» et Sarko qui se marre à côté. Il faut dire qu'il a de quoi se marrer, Sarkozy. À avoir eu Tom Cruise dans la même semaine et le bossu, son cinéma marche de mieux en mieux. D'ailleurs, pour ne pas être en reste dans le même temps, sachez que le président Chirac, lui, hier après-midi, décorait Steven Spielberg. On ne sait pas si c'est pour intelligence artificielle, Jurassic Park ou Arrête-moi si tu peux. Je ne comprends pas qu'on donne la Légion d'honneur à des réalisateurs, des acteurs. Enfin, moi, je trouve ça très bien, surtout à lui. À ce moment-là, on va donner des Césars aux résistants. Enfin, c'est ridicule. Ah, j'avais pas pensé à ça. Mais non, mais enfin, je veux dire, ça n'a plus aucun sens, ce truc-là. Il n'y a pas que ça qui n'a plus aucun sens. Plus il n'a de sens. Allez, une autre photo pour vous remonter le moral, mon cher Alévèque. Regardez cette boîte de Laughing Coast, ainsi qu'on l'appelle aux États-Unis. Il paraît que notre fromage fait un tabac. Oui. En Amérique. Mais attention, si George Bush a autorisé l'importation de notre célèbre fromage, c'est parce que là-bas, les emballages sont légèrement modifiés. Pas mal. Une autre photo qui nous vient d'Alsace, cette fois. L'Alsace, la région où la loi sur le port des signes religieux à l'école semble la plus difficile à appliquer. On nous le disait encore dans Libération il y a quelques jours. Heureusement, ce matin, à l'école en Alsace, certaines Alsaciennes ont trouvé un moyen de ne pas ôter leur foulard. Regardez la solution, voilà. C'est... Allez, une autre photo, celle du rectorat. On reste dans l'éducation nationale, mais rectorat d'Ajaccio. Photo publiée par Le Figaro ce matin. Manifestement, l'option art plastique n'a toujours pas été supprimée en cette rentrée 2004. Une petite info maintenant, publiée par Le Parisien hier dimanche. Un instituteur de 45 ans a été condamné par le tribunal de Bordeaux à un an de prison avec sursis pour violence physique et psychologique infligée à ses élèves. Cet ancien directeur de l'école d'Ostens, c'est en Gironde, s'est vu infliger une interdiction d'enseigner pendant 3 ans. M6 l'aurait déjà contacté pour le pensionnat de Chavagne. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'il a fait exactement, là, cet instituteur. Vous parlez du premier, celui de Gironde. Parce que maintenant, les enfants, tu leur dis rien. C'est la moindre des choses, ça devient une affaire d'État. Moi, quand j'allais à l'école, il y avait un petit coup de baguette sur les doigts, ça ne faisait pas de mal. Oh, regarde le résultat, on voit comment t'es détendu maintenant. Vous pourriez aller sur M6, vous voyez. Alors, comment vous expliquez le succès de ce pensionnat sur M6? Alors, c'est parce que les gens ont envie de revenir à ça. Non, mais ça surfe complètement sur une vague nostalgique. C'est en accord avec les idées, d'ailleurs, du gouvernement, quand le ministre dit qu'il faut retourner à la récitation et à la dictée. Et en plus de ça, ça s'appuie sur un fantasme érotique. Ah bon? Ah bon, ouais. Mais c'est vrai, il y a plein de films de cul qui se passent dans les pensionnaires, dans les écoles comme ça. Pas dans les pensionnaires, dans les pensionnats. Alors, aujourd'hui, j'ai du mal, hein. En tout cas, la discipline ne marche pas toujours. La preuve, Raymond Domenech a eu beau imposer un nouveau règlement aux Bleus, ils n'ont pas pu marquer contre Israël samedi soir au Stade de France. On ne peut pas les condamner en même temps, hein ? En tout cas, on ne peut pas les condamner pour antisémitisme, c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ils débutent, faut pas les accabler, ils débutent. Ben voilà, ils débutent. Mercredi prochain, attention, les Bleus devront affronter les îles Féroé. Voilà. C'est pas gagné, parce que les îles Féroé, on sait même pas où c'est, alors pour trouver le chemin des buts, ça va pas être facile. Ouais. Il est temps de notre rubrique inaugurée la semaine dernière, puisque Philippe Vandel nous a rejoint dans cette équipe et qu'il est le spécialiste de la télévision, en tout cas de la façon de regarder la télévision. Il a sa façon à lui. Qu'avez-vous vu pour nous, Philippe? Alors, des petites choses. C'était cet été. Il est plus spécialiste de la télévision que de la tenue vestimentaire. C'est vrai? Ça te plaît pas? Non, t'es le seul à faire tâche quand même. On est tous dans des camailleux de violet, prune, etc. Et toi, t'es en bleu. Vandel, vous avez regardé la télé pour nous, dites-nous. Ouais, c'était cet été. Je vais commencer par un reportage du journal de TF1 13h consacré aux animaux qui souffrent. Regardez. Des chiens maigres rendus agressifs par des conditions de vie insoutenables. Aux abords de l'élevage des 5 molosses, l'odeur est pestilentielle. Depuis plusieurs années, le propriétaire y vend en toute illégalité des races de chiens bien précises. Alors, les motivations du propriétaire sont dénoncées par les associations de défense des animaux. Écoutez.
C'est évident que c'est des gens qui font ça que pour l'argent. De ce côté-là, il n'y a aucun problème. On ne peut pas dire c'est quelqu'un qui aime les animaux. C'est quelqu'un. Et c'est le gars qu'il fallait pour parler de ça. Il travaille pour l'assistance aux animaux et il s'appelle Monsieur l'Homme. Voilà, on sent le mec qui est concentré, qui est dans son sujet. Alors, j'ai un document qui est aussi une mauvaise excuse. C'était lundi dernier sur Canal+, pendant la matinale. Il y avait une intervention en direct et en duplex de Laurence Haïm, qui est, tu connais Laurence Haïm, qui est leur correspondante à New York, ouais. La fille qui a la très grande natte. Pourquoi vous dites tu connais nous, on ne devrait pas connaître nous. Parce qu'elle avait travaillé à Canal+, comme Annie, vous connaissez Laurence Haïm. Oui. C'est la journaliste qui a la longue natte. Et qui est correspondante à New York. Et c'est très sérieux, il est question des élections américaines. Laurence, une dernière question, s'il vous plaît. On parle de provocation des républicains à faire leur convention en terre hostile. Pourquoi New York, qui est une terre majoritairement à gauche ? Oui, alors ça, c'est une très bonne question, Stéphanie. C'est une erreur de calcul de la part... Et la stupeur, sa natte s'est décrochée. Elle la cherche dans la nuque, complètement paniquée. Écoutez. Simplement que... Il y a eu le 11 septembre à New York et d'un seul coup, le 11 septembre... Alors elle a plus sa natte, elle est complètement perdue, elle ne cesse de répéter le 11 septembre, et soudain, la correspondante trouve une ruse pour arrêter l'entretien. Un échec total pour la communication républicaine, car les New Yorkais très touchés par le 11 septembre ne veulent pas des républicains ici dans leur ville. J'ai des problèmes d'oreillette, Stéphanie, donc je pense qu'on va interrompre tout de suite ce qui se passe. Voilà, son oreillette, ça s'appelle une queue de cheval. C'est pas bien de se moquer des journalistes avec détresse. Qu'est-ce qui est drôle ? Bah c'est drôle, cette espèce de grosse natte ridicule. Je me disais, tiens, ça a l'air faux, je pouffe. Oula ! On est sur un rythme effréné. Alors, écoutez, moi j'aime bien, de temps en temps, je pense que cette rubrique, c'est aussi pour raconter des blagues qui ne font rire que moi. D'accord. Et ah c'est ouais. Maintenant. Je croyais que c'était ça, d'ailleurs, depuis le début. Alors, je vous préviens, si vous la comprenez, chapeau. C'est une Allemande qui fait l'amour avec un Américain. Au milieu des ébats, elle est toute comme une folle et elle se met à crier « Ach, du, du, du !» Et l'Américain énervé lui dit « I do what I can ouais. !» Ce week-end, les dignitaires de l'UMP se sont retrouvés, vous le savez, à Avoriaz, dans le cadre des universités d'été du parti. Nicolas Sarkozy, candidat à la présidence de l'UMP, ce mouvement chiraquien, récemment lui-même adoubé par le président de la République, était... omniprésent. La semaine dernière, c'est dans tous les journaux qu'on avait vu M. Sarkozy en compagnie de Tom Cruise, son nouveau meilleur ami, qu'il a reçu dans ses bureaux à Bercy. Thierry Marquet aussi, lui, a des amis à Hollywood. Et c'est en bonne compagnie, vous allez le voir, qu'il s'est rendu à Avoriaz ce week-end au milieu de tout ce petit monde. Il a testé pour nous une campagne anti-Bush à l'UMP. Regardez cette caméra cachée signée Frédéric Gilbert. Bonjour, Thierry Marquet à Avoriaz. J'ai testé une campagne anti-Bush à l'UMP. Un whoopi. Ah ouais, sparadrap, anti-Bush. Très drôle. Super Ben, bonsoir. Bonsoir. Je suis avec Whoopi Goldberg, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une actrice américaine. On voudrait savoir si vous voulez bien soutenir son projet, c'est-à-dire être anti-Bush et porter ce petit badge et faire une photo avec elle. Je crois que c'est pas le... Non, non, mais c'est si, c'est peut-être l'endroit. C'est le... Elle est venue parce qu'elle considère que l'UMP est un symbole anti-Bush. L'UMP est attentif à l'ensemble de la vie politique américaine. Vous acceptez au moins le badge ? Merci. Really nice to meet you. You're welcome. Nicolas Sarkozy a fait des photos avec Tom Cruise. Oui, tout le monde le sait. Et Whoopi Goldberg, en fait, fait une campagne anti-Bush. Et en fait, elle aimerait savoir si vous étiez d'accord de faire des photos avec elle, avec un petit badge. On ne peut pas imaginer ça une seconde. Vous voyez un ministre français prendre position dans une élection d'un autre pays, mais ça n'a jamais existé. C'est inimaginable. Oh, Kerry! You vote for Kerry? Good. First of all, I'm very, very happy to meet you. Elle voulait savoir si vous étiez d'accord de faire une petite photo avec elle. Ça lui ferait vraiment plaisir. Moi, je fais une photo avec elle, bien sûr. Avec un petit pin. Non, je ne porte pas de pins. Je ne participe pas à la politique intérieure des autres nations. Vous avez le droit de dire stop Bush. Oui. Et elle de Kerry, moi, je m'en mêle pas. Moi. Je suis député français. Madame Boutin, oui. Whoopi Goldberg. Bonjour, c'est gentil d'être là. Elle est contre la campagne de Bush aux États-Unis. Elle aime Kerry. Elle aime Kerry. Elle a raison. Elle aimerait juste votre soutien, ça va faire une petite photo avec elle. Oui, mais est-ce qu'elle me donne son parrainage ? Ça, je veux son parrainage. Oui. Allez, le parrainage. Donc, c'est le parrainage pour quoi, ça ? C'est pour être candidate à la présidence de l'UMP. Ah bon ? Oui. Allez-y. On faudra juste faire une petite photo avec un badge. Je voulais choisir les badges anti-Bush. Vous voulez lequel ? I love Kerry. I love Kerry. Ok,
qu'est-ce qu'elle est mignonne. Je l'embrasse. Monsieur Devedjian ? Oui. Je suis attaché de presse de Whoopi Goldberg. Vous la connaissez ou pas ? Non, je la connais pas. C'est une actrice américaine assez connue, elle est anti-Bush. Oui. Et elle espère en fait que les hommes politiques de l'UMP puissent l'aider dans sa démarche. C'est simplement pour prendre une petite photo avec un petit badge, on en a plusieurs à vous proposer. Je porte pas de badge. Vous pouvez choisir la couleur, regardez. Mais vous êtes gentil, je ne porte pas de badge. Mais c'est anti-guerre, c'est anti-Bush, quoi. J'ai choisi les badges que je porte. Jacques Chirac était contre la guerre en Irak. Quand il l'aura porté, vous me le remontrez. Monsieur Sarkozy. Doucement. Whoopi Goldberg, Monsieur Sarkozy, elle voulait vous rencontrer. Bonjour, comment allez-vous? Je suis ravi de vous saluer. Elle voulait vous rencontrer, faire une photo avec vous, Monsieur Sarkozy. Comme ça, je l'ai salué. Monsieur Sarkozy. Whoopi veut vous offrir un badge, la petite broche, Monsieur Sarkozy. Merci. Elle lutte contre la campagne de Bush. Vous êtes d'accord avec elle? Monsieur Sarkozy sait faire la différence entre les vrais Tom Cruise et les fausses Whoopi Goldberg. Un commentaire, Annie. Non, il a plongé deux secondes quand même, il y va. Deux secondes, il est allé. Ah oui, et puis il réalise et hop, il devient digne après coup. Et Madame Boutin, elle, était prête à recevoir la signature de soutien de Whoopi Goldberg pour pouvoir être elle-même candidate à la présidence de l'UMP. Elle aimerait, vous le savez, se présenter contre M. Sarkozy dans cette élection qui aura lieu lors du congrès du mois de novembre prochain. Et il y a un autre candidat contre M. Sarkozy qui n'a peut-être pas encore toutes les signatures nécessaires. C'est le député de l'Essonne. Il sera donc lui aussi candidat à la présidence de l'UMP. Pour cela, il lui faudra 3400 parrainages. C'est notre invité ce soir. Voici Monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour. À chaque fois, je vous pose la question, mais je ne sais pas si on doit faire la liaison Dupont-Aignan ou Dupont-Aignan. Bah écoutez, faites la liaison aujourd'hui. Dupont-Aignan, voilà. Alors. Voilà. Alors, ça serait la guerre des Nicolas à l'UMP ? Non, c'est pas l'objet. D'ailleurs, c'est amusant parce que quand c'est un parti de droite, on dit contre. Et quand c'est un parti de gauche où il y a plusieurs candidats, on dit qu'il y a un grand débat. Oui. Donc il y a un débat, moi je veux un débat. Et je trouverais quand même paradoxal qu'on fasse une élection avec un seul candidat, c'est tout. La question, c'est pas seulement d'élire un chef. Bon, c'est lui qui sera notre chef, le capitaine du bateau, on est tous d'accord. Mais pourquoi faire... Vous êtes sûr de perdre alors? Je pense pas que je vais gagner. Enfin, je pense quand même pas être complètement illuminé. Partez pas battu, enfin. Je pars pas battu. Mais on dirait l'athlétisme français, là. Voilà. Mais l'essentiel, si vous voulez... C'est exactement comme un bateau, on sait que ce sera le capitaine, mais moi j'ai envie de peser sur le cap et j'ai envie de savoir comment on va être organisé à l'intérieur. Pour vous, un bon score contre M. Sarkozy, ce serait quoi l'UMP? Oh, 20%, ce serait formidable. 20%, vous aviez fait à peu près 15% contre Alain Juppé en 2002. Oui, mais c'est pas contre, encore une fois. À quoi ça sert un parti politique si on débat pas entre nous? À quoi ça sert de se mettre ensemble si on n'est pas capable de dire mais qu'est-ce qu'on va faire ensemble? C'est pas seulement d'avoir un chef, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Il y a plein de débats. C'est créer des courants aussi. C'est créer des courants, c'est voter, c'est que les militants votent, c'est que. Enfin, que ça vive, que ça soit mais pas mort. Vandel. À moins que j'ai pas bien compris, comment se fait-il? Il vous faut 3400 parrainages pour pouvoir vous présenter. Comment se fait-il que vous ne les ayez pas encore? D'autant que si vous ne les avez pas, ça va faire une espèce d'élection à la soviétique ou à la tunisienne, où Sarkozy va avoir 99% des voix. Ça va être terrible pour lui. Écoutez, il faut avoir 3400 parrainages où les gens doivent envoyer la photocopie de leur carte UMP par la poste en plein été. Là, ils sont moins nombreux. D'ici le 15 septembre, j'en ai 3200, il m'en manque 300. Donc, on va lancer un appel. Un appel, voilà. Mais comme il y a eu de moins en moins d'adhérents UMP, j'essaye de les avoir. Est-ce qu'il y en a plus de 3400? Il y a de moins en moins d'adhérents UMP. Oui, il y a eu Gilles Gervais. Perry. Est-ce que parce que vous êtes jeune et que vous avez 43 ans, est-ce que ça justifie les propos que vous avez tenus à l'égard de M. Giscard d'Estaing quand il s'était présenté pour la présidence de l'Auvergne? Vous avez dit, à son âge, il a autre chose à faire. Alors je voudrais savoir... Non, c'est mieux que ça. Comment peut-on dire à un cadre de 50 ans, partez, soyez en pré-retraite, et que ce cadre voit un homme politique de 78 ans rebriguer une présidence de région? Donc ça, c'est un peu long. En plus court, mais ça reste à son âge, il a autre chose à faire. Alors, j'ai pas dit à son âge, j'ai autre chose à faire. J'ai dit ce qu'a dit monsieur. Oui, alors je voulais pas exactement savoir, pareil. Parce que je suis respectueux de monsieur Giscard d'Estaing. Mais est-ce que vous pensez que c'est une gaffe que vous avez faite? Ou bien... Non. Ou bien c'est... C'est un peu, je vais être franc, c'est un peu une gaffe. D'ailleurs, vous savez ce qui s'est passé quand j'ai dit ça? Je suis arrivé à l'Assemblée, je n'avais pas vu qu'il y avait une dépêche AFP, parce que je n'ai pas l'habitude quand je parle qu'il y a des dépêches AFP. Et je me suis fait agresser par un homme politique de l'UMP, qui m'a dit que vraiment, j'avais absolument rien dans le cerveau à côté de ce qu'avait Giscard d'Estaing. Et j'ai dit, je n'ai rien contre M. Giscard d'Estaing, je dis simplement qu'on va perdre l'élection en Auvergne. D'ailleurs, on l'a perdu. Est-ce que ce n'est pas déprimant pour la deuxième fois consécutive de se présenter à une élection où vous savez que vous serez perdant? Et quelle est la troisième? Non, parce que quand on a des convictions,
question. Vous n'avez pas épousé Arlette Laguiller? Non. Vous êtes sympa. Merci. Non, c'est... Elle est trop vieille. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais vous dites... Non, j'ai pas dit ça. Non, mais... Vous dites ça, si mais il n'y a pas un homme politique qui est arrivé au pouvoir du premier coup, c'est non, rare, mais attendez, d'abord, il faut relativiser. Ouais. C'est un parti politique, c'est à l'intérêt d'un parti, premier point. Deuxième point, on a des idées, on a plein d'idées, on a plein de réformes à proposer. La politique, les Français en ont une vision fausse parce que, encore une fois, ils voient le star system, ils le sont lassés system, de ça. Le star system, le premier responsable, c'est quand même Sarkozy, excusez-moi. Ah, bon. Voilà, dites-le. Vous ne me ferez pas dire, vous ne me ferez pas dire du mal de mes amis et vous ne me ferez pas dire du mal d'où je alors suis parce que je ne suis pas là pour cracher. UMP, je suis pas là pour cracher dans la soupe. Je suis là pour défendre mes idées Stevie. Et pour avancer. Voilà, c'est tout. Je fais ce que je peux bah avec moi, ce que j'ai. J'ai rien contre vous, mais quand j'ai appris où est-ce que vous avez dit sur Valéry Giscard d'Estaing que moi c'est un homme que je trouve formidable. Mais je le respecte. Oui, peut-être, mais vos propos sont quand même un peu puérils et déplacés. Vous pouvez pas dire le contraire. Ça vous prenez la déclaration. C'est Juppé, c'est Juppé qui a dit ça. Tu parles comme Juppé. Mais oui, mais je le pense aussi sincèrement comme lui. Et en plus, je comprends pas votre position contre l'Union européenne et contre cette constitution. Je peux lui offrir, même si c'est le vôtre, mais vous l'avez déjà lu, j'en suis certain. En détail. C'est mon livre de chevet. D'ailleurs, il y a beaucoup de crayons, il n'y a absolument rien, je ne suis pas sûr. Ah non, parce que j'étais d'accord avec rien. À 100%. Ah non. Dites, pour obtenir un bon score face à M. Sarkozy, qui quand même fait fort en termes d'image médiatique, il faut que vous soigniez, vous, votre propre image. Et pour ça, peut-être qu'Annie Lemoine peut vous aider. Allez. Ah bah oui. Sûrement. Mon cauchemar, je ne vous le cache pas, a commencé à la veille du week-end quand Catherine Barma, productrice de cette émission, m'a dit « Tu vas nous faire l'image médiatique de Dupont-Aignan ». Là, j'aurais dû dire « Dupont qui ?» Mais je me suis tue, je dis avec plaisir, ça c'est ma bonne éducation. Je me suis précipitée sur Internet, c'est ce qu'on appelle le journalisme d'investigation. Et voilà la première image qui est sortie. Et là, j'ai pensé que vous auriez dû faire réaliser le rêve de Dominique Voynet, posé avec le pape, parce qu'au moins, il n'y aurait pas eu d'ambiguïté. J'aurais su si vous avez été à droite ou à gauche. Donc, deuxième photo, là, je me suis dit, ah, il est à droite. J'ai pas fait d'études de morphopsychologie, mais ce côté, j'ai la même tête qu'en CP, avec l'arrêt que me fait ma maman le matin avant de partir à l'école, les lunettes de chez deux pour le prix d'une, le petit sourire de mon conseiller bancaire près de chez moi, j'ai pensé, il est peut-être à droite. En même temps, je m'en voudrais beaucoup d'attribuer une couleur politique sur un visage, donc j'ai poursuivi l'enquête. Troisième photo. Oh là là, là j'ai pensé, il est à droite toute. Quatrième photo. Et là, j'étais égarée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait en animateur de réunion de quartier? Mais qui c'est ce... Qui parce que je suis maire d'une ville. De Hier, dans l'Essonne. Voilà. Hier, dans l'Essonne. Photo suivante. Alors là, j'ai dit ça, c'est clair, c'est pas un ami de Max Guazzini, le père de tous les rugbymen du Racing, parce que Max n'aurait jamais laissé passer une photo pareille. C'est anti-communicant. Ça, c'est pire. Ça, il faut éviter quand même. Dites non, photographe, regardez. Où est-ce que vous avez trouvé tout ça? Ça, c'est pas possible. Dans le catalogue Ikea. Pour l'image médiatique. Proscrire l'image médiatique. Tout ça. L'image médiatique, elle est plombée, là, regardez. Oh là là. Évitez, trier. Non, non, il faut que l'attaché de presse intervienne. Ah, ça, c'est bien. Ah, ça, c'est bien, parce que là, vous êtes dans le vif du sujet. Vous êtes aux affaires. Vous avez les mains dans le cambouis, vous y êtes. Ah, ça, c'est je vais vous dire, c'est formidable. Non, ça, c'est parce que terrible. Ça, ce sera pour les jours où vous direz, c'est pas moi, je suis pour rien. ou alors quand Le Pen arrivera au pouvoir, et ce sera le jour de votre arrestation, parce qu'il pensera que vous rouliez décidément un peu trop à gauche. Christophe. Oui, alors soyons clairs, si un jour je vote pour vous, ce sera par inadvertance. Mais vous me plaisez. Pourquoi vous me plaisez? Parce que vous présentez contre Sarkozy. Et ça, moi, tout ce qui peut se présenter contre lui, j'aime bien. Et tous ceux qui peuvent dire, ou même, vous n'êtes pas contre, puisque visiblement vous êtes d'accord avec lui. Ce que j'aime bien dans les partis politiques, c'est que tout le monde tout le monde a les mêmes idées, mais se présente l'un contre l'autre. On peut avoir des nuances. Ça s'appelle des courants. Si on est dans le même parti, c'est que je suis dans le même parti. En revanche, j'ai des nuances et j'ai envie de les exprimer. Et c'est bien de se présenter contre le lofter, voilà, parce qu'il va bientôt installer des caméras dans sa chambre, qui est tout à fait représentatif de l'époque, comme vous le dites d'ailleurs. Le faire savoir a pris le pas sur le savoir-faire. Parce que si on fait le bilan de ce mec-là, personnellement, si on entend les spécialistes, c'est-à-dire en justice, les habitants de Sangatte, les prostituées, les spécialistes des prisons et de la délinquance, le bilan est mauvais. Et ce qui est très bien avec Sarkozy, et là je vous souhaite du courage, parce que pour les honnêtes gens, le bilan est bon. Il a réussi à retourner la chose, parce qu'évidemment, ces gens-là, on ne les écoute pas, ils ne sont pas dans le reality show. Pour ceux qui respectent la loi, le bilan, il est bon.
Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite de faire, mais non seulement 20%, mais 45, voire 50%. Et puis, je voudrais vous poser une question. Pourquoi tous les hommes politiques organisent tous les étés des universités? Est-ce que c'est pour s'entraîner à être mis en examen à la rentrée? Allez, on vous remercie, monsieur Dupont-Aignan. Merci. Qui avait publié « L'Europe va dans le mur », candidat à la présidence de l'UMP. Merci. Depuis quelques semaines, des tatoueurs à la sauvette ont investi le quartier des Halles à Paris. En quelques minutes, et de façon totalement illégale évidemment, ces tatoueurs à la sauvette réalisent en pleine rue des tatouages éphémères qui font évidemment fureur chez les ados, vous le savez, puisque ces tatouages ne restent pas plus d'un mois sur la peau et ne représentent aucun danger pour la santé. Ces tatoueurs hors-la-loi travaillent par deux, l'un fait le rabatteur et l'autre dessine, enfin, jusqu'à ce que la police débarque et parfois les arrête. Dan Bolander, qui a la caméra cachée dans la peau, a testé pour nous faire des tatouages à la sauvette. Regardez cette caméra cachée par Gilles Maillard. Bonjour, ici Dan Bolander, j'ai testé faire des tatouages à la sauvette. Quel artiste. Bonjour, ça vous intéresse, des tatouages? On les fait à 3 euros seulement. Quelqu'un à 3 euros? Bah tiens, je te montre ce qu'on a. Ça prend longtemps? Ah non, c'est super rapide. Hein. C'est très possible. Celui-ci, oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Kamel était formé en Inde, en fait. Ouais. Ah ouais, il fait ça depuis super longtemps. Ouais. Et il est super doué. Hein. Ça ressemble pas du tout à celui-là. Le problème, c'est la grosse tache noire. Non, mais faut le contourner un peu, là. Sur le reste du bras, là. Ah, bah il est pas fini, là, ouais. Mes parents, ils vont me tuer. Attends, mais c'est pas fini. Mais c'est pas grave. Ah, c'est pas fini, ça. Mais c'est pas grave, c'est parfait, c'est nickel. Ok, ça coûte combien pour un... Ça, c'est 3 euros. Il est sympa, celui-là, ouais. Vous le faites pas dans ce sens-là? Si. Y a pas trop de ressemblance, hein? Bah si, attends, regarde. Bon, ça fera 15 euros, alors. Vous m'avez dit 3? Ouais, non, mais pour le petit, mais là, il t'en a mis plus. Ah ouais, mais bon, c'est un peu de l'arnaque, quand même. Juste à la place du cœur, il s'est fait tatouer un cœur. Vous voulez quoi, alors? Un scorpion. Un scorpion, ouais. Non, l'avantage de ces tatouages, c'est que ça dure pas très longtemps. Mm-hmm. Bon, là, ça va durer 2-3 mois. Ah merde, il y a les keufs. Bon, ouais, parce qu'on fait ça à la sauvette discrètement. Il faut enlever. Attends, il y a les keufs, faut qu'on s'en aille. Ouais, il faut l'enlever. Non, non, on peut pas l'enlever, ça va durer... Mais si, il faut l'enlever. Ça dure 3-4 mois. Non, non, comment il faut l'enlever, là? Attends, bon, là, ça va durer 3-4 mois comme ça. Quoi? 3-4 mois. Y'a rien. Fais voir, un queen, là. Regarde, non, regarde, y'a rien, là. Bah, c'est pas grave, allez, 3 euros, voilà. Vous payez pas? Bah si, bah, on a fait une chenille. Tu crois, je vais payer un plus? Tu crois? Mais non. Moi, j'appelle les flics, hein. Moi, je les appelle tout de suite, hein. Mais vous avez commencé, vous avez pas terminé. Ton dessin, il est parti, là. Tu crois, viens, je vais commencer à te faire des dessins sur ton dos, moi. Moi, je vais te dessiner dans ton dos gratuit. Tourne-toi. Dan Bolander, Christophe. Mais le pire, c'est quand la police arrive et que les mecs s'en vont. Parce qu'un jour, moi, je voulais me faire faire un tatouage sur la joue, un papillon. Je trouve que ça me symbolisait bien, un papillon. Ah oui. Voilà, alors le papillon, c'était ça. Tu vois, la police est arrivée, je me suis retrouvé avec ça. Vraiment. Caroline, tatouée quelque part? Dieu merci, non. Vous imaginez avec les régimes la gueule du tatouage? En tout cas, il faut se méfier des tatouages à la sauvette. C'est vrai qu'en ce moment, c'est la mode à Paris. Ce n'est pas légal, il faut le répéter. Et pour parler avec nous de ce problème, nous allons tout de suite accueillir sur ce plateau une tatoueuse à domicile. Je vous demande de recevoir Madame Florence Foresti. Foresti, tatoueuse à domicile. C'est ça. Enfin, Florence Foresti, c'est un pseudonyme, hein, bien sûr. Je tiens pas à être reconnue, non. Moi, je suis Michel, hein, Dozelle. Alors, je m'interromps, hein, bien sûr, comme il y a des rigolos autour de la table. Je viens pas de Dozelle, hein. La ville Dozelle, ça n'existe pas. Ah oui, non, c'est Michel Dozelle, l'orthographe. Hein, compris, ça, comme oui. Je suis une femme de sexe femme féminin. Voilà. Alors, je suis donc tatoueuse à domicile. Là, pareil, ça veut pas dire que je me déplace. Hein, y a pas écrit taxi. Non, à domicile, c'est chez moi, chez Michel Dozelle. Hein, c'est les gens, ils viennent, voilà, comme ça. Oh, bah, là, c'est un peu triché, quoi. J'exerce depuis quoi? Depuis 1983. Ouais. Hein, une épicerie. J'exerce du côté de Bezac. Voilà, Besançon pour les intimes. Qu'est-ce que vous tatouez? Est-ce que vous avez une spécialité? Tout à fait, oui, je tatoue du chat. Tout ce qui est chat.
Du chien en voiture, voilà, du... Alors, bien sûr, je tatoue pas la bête, le chat, non, je suis pas vétérinaire, je sais pas quoi, non, je tatoue des têtes de chats sur mes clients, des chats perchés, des chats minous, des chats bottés, des chats machines, des chats d'Iran, tout ce qui est... Tout ce qui est... Tout ce qui est chat. Tout ce qui est du domaine de la chatterie, bien voilà. Sûr. Ah, mais jamais vous n'avez changé? Ah si ah. Ah si, une fois j'ai fait une exception, alors je me suis lâché un jour, j'ai tatoué, oh, j'ai tatoué une tête d'Hervé Villard, comme ça, sur le front de ma mère, comme ça, pour son anniversaire. C'est très joli. Très joli, mais alors, des formations professionnelles, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai collé des moustaches de chat. Comme... Non, c'était très joli, très très joli. Hein. J'imagine. D'ailleurs, oula. Oui. Oh, vous, je vous vois, monsieur Huquet, avec une tête d'angora, là, comme ah, ça. Non. Ah si, un bel angora, un gros angora, comme ça, dans le cou, avec une belle grosse queue, comme ça. Non. Qui vous descendrait sur le poitrail pour la déjà... télé, c'est non. Joli, ça. Je vous remercie, sans façon. Non, parce que c'est cadeau, hein, c'est Michel Dozello qui vous l'offre. La question, si on vous a invité sur ce plateau, ouais. Évidemment, c'est pour savoir... Qu'est-ce que vous pensez du tatouage à la sauvette qui fait fureur au Halles, comme le titre de Parisien? Ah, moi, je suis contre. À la sauvette ou ailleurs, d'ailleurs, ça, non. Non, 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 dégueulasse, à la dégueulasse. Sauvette, non, à la sauvette, ça veut dire à la va-vite. Ah, mais je me fous que ce soit à la va-vite, à la sauvette, à la Rochelle ou à Warzazat, non. Pas de tatouage temporel, ça, c'est de la merde. Moi, je suis pour le tatouage définitif, ouais. Vous voyez hein, ça, c'est du bon vrai tatouage qui reste. Les tatouages temporels, c'est pour les gonzesses, c'est un truc, c'est comme changer de slip tous les jours, c'est de la coquetterie. Ça, non, 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 moi je dis niette. Hein. Bah, chose importante qu'on demande à tous les tatoueurs, on ouais. En avait reçu déjà l'an dernier ouais. Ici. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ce rire? Est-ce que vous respectez, ouais. C'est important pour les clients, mais... Est-ce que vous respectez les règles d'hygiène? Ah, tout à fait, bien sûr. Ça, j'en mets un point d'honneur, hein. je désinfecte la victime toujours. Oh, le client, hein. Ah, ouais, 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 attention, non, non. Je désinfecte mon bordel avec du white spirit, tout, non, c'est... Ah, non, non, c'est propre, le client s'assoit, comme ça, je... Bon, je l'attache, parce que j'aime pas quand ça bouge. Ah, oui. Non. Ah, ben non, ça fait des ratures, après, c'est pas... Parce que c'est de l'encre des débiles, hein, qui s'efface pas. C'est... Mais comment vous situez par rapport, donc, au tatoueur à la sauvette? Ah, ben, nous, on a un petit peu les André Rieux du tatouage à côté, hein. Ah, oui, nous, c'est du grand art. Moi, les tatouages à la sauvette, non, non, non. D'ailleurs, vous direz... De ma part, au maire de la sauvette, qu'il salope le boulot. Non, 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 non. Florence Foresti, voilà. Tatoueuse professionnelle. Professionnelle. À domicile. Tout à fait. Chez elle. Chez moi, voilà, chez Michel Dozello. Vous voulez pas faire un petit tatouage, non? Ah, moi, je vous fais non, ce que vous voulez. Je suis très sensible à la féminité que dégage une tatoueuse. Tout à fait, bien sûr. Hein, vous voulez pas une petite chatte? Oui. Ah, c'est rigolo, le... Bon, attention, hein. Je vous ai tatoué, vous? C'est possible. Pas de tatouage sur la fesse, hein, plutôt. Ouais, hein, ouais, je suis assis dessus. La tête d'Hervé Villard, c'est vous. Allez, on va remercier Florence Foresti, tatoueuse professionnelle. Merci infiniment. Merci, madame. Merci, monsieur Ruquet. Au revoir. Merci bien. Hein. À partir du 14 septembre prochain, Charlotte de Turckheim sera au Bouffe Parisien à Paris pour son nouveau One Woman Show On m'a pas prévenu, un spectacle qu'elle a coécrit avec Bruno Gassiot. On m'a pas prévenu se présente comme une pièce décapante dans laquelle Charlotte fait un bilan catastrophique de sa vie intime, de ses enfants, de ses amours. Bon, on imagine quand même que tout ça est un peu fictif. Après 5 ans de bons et loyaux services en tant que proviseur sur France 2, Charlotte de Turckheim, qui fut aussi l'héroïne de la saga Un été de canicule il y a un an, renoue donc avec la scène, avec les planches pour ce One Woman Show que je vous propose de tester ensemble maintenant. Voici donc pour On m'a pas prévenu, Charlotte de Turckheim. Bonjour, bonjour. Merci, bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Ce sera votre troisième spectacle avec oui. Bruno Gassiot. Oui. Gassiot a coécrit ce spectacle avec vous. Mais alors, j'ai dit que c'était fictif, ce bilan catastrophique oui. de vie de femme, de vie de mère, de mère. Hein, j'ai pas dit de merde, j'ai dit de vie de mère, de vie de femme. C'est pas si catastrophique que ça, votre vie. C'est, non, c'est de la fiction si... quand même. Bien sûr, c'est de la fiction. Mais j'ai fait comme un espèce de mélange un peu de tout ce qui m'était arrivé, tout ce qui était arrivé à mes amis. Donc enfin, maintenant, plus personne n'a envie d'être mon ami d'ailleurs. Parce que les gens se retrouvent sur scène au bout de 8 ans. Vandel. Ouais. Ah, moi j'ai une question pour Charlotte que j'ai déjà demandé, parce qu'on se connaît depuis un certain temps. Mais comme elle tu m'a dit, très intimement, j'écris, enfin très intimement. J'écris un spectacle avec Gassiot. Je connais bien Gassiot de Canal. Elle me dit, ça balance, tu peux pas savoir. Il amène des textes, je dis, on peut pas raconter ça. Ils racontent leur vie intime, leur vie sexuelle, pas ensemble, mais séparément. On reconnaît des gens, ce sont des choses à clé. Et elle me dit, je sais pas si je vais faire la version hard ou la version soft. Qu'est-ce qui est sur scène? Est-ce que c'est la hard ou la soft?
Faut dire la harde. Non, si, en fait, c'est la harde, évidemment que c'est la harde, mais on a tellement changé les noms qu'en principe, personne ne peut se reconnaître. Oui, bah, ouais. Je dis bien personne et je croise on les doigts. On voit bien que vous avez un léger doute, cela dit. Ouais. Mais c'est quoi version hard? Ça veut dire qu'il y a des choses sexuelles Oui, oui. Mais avec des gens qu'on reconnaît qui existent dans Paris. Oui. Par exemple. Par exemple, des noms. J'ai mis un an à tricoter tout ça pour que personne ne reconnaisse qui de quoi. Donc je ne vais pas vous balancer la bêtement. Non, balancez pas un truc qui pourrait choquer quelqu'un. Mais je ne peux pas, vous rendez pas compte. Charlotte, vous allez en scène. On parle de choses intimes, de choses. Non, mais Charlotte, imaginons qu'on reçoive Hervé Villard. Bon. Ah. Et j'ai dit, j'ai une nouvelle chanson. On lui dit, faites-nous entendre. Vous ne pouvez pas dire, j'ai fait un spectacle, je ne peux pas vous dire. Je peux vous dire, par exemple, que j'ai couché avec Hervé Villard, par exemple. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et alors? Oui. Ben c'est dans le spectacle, je raconte ma nuit d'amour avec Hervé Villard. Mais non, c'est pas vrai. Mais non, nous orphelons. J'ai eu peur. Vos enfants, eux, ils vont se reconnaître, vos enfants. Oui, mes enfants se sont bien reconnus, oui. Ah, parce qu'ils ont vu déjà le spectacle. Oui, oui. Et comme je me fous bien d'eux, ils se sont bien reconnus. Mais à mon grand étonnement, j'étais un petit peu gênée au début. Je leur ai dit, vous savez... C'est pas vous. C'est pas vous. C'est d'autres enfants que c'est j'ai d'autres enfants que, j'ai eu. Que vous ne connaissez pas, que j'ai eu avec d'autres gens. C'est d'autres neveux, d'autres cousins, d'autres... Mais ils vous laissent faire. Mais non seulement ils sont... Mais visiblement, plus on se fout de leur gueule, plus ils sont contents. Ah bon. Voilà, donc c'est nourri un peu de tout le monde. J'ai beaucoup, beaucoup changé le nom de mes copines, aussi de mes grandes amies de cœur. De peur qu'on les reconnaisse. Elle croit. C'est Églantine qui s'appelle Mathilde dans la pièce. Et Caroline, Sophie. Est-ce que ça vous donne envie d'y aller? Oui, moi j'ai très envie d'y aller. Alors, entendre parler de cul pendant presque une heure et demie. Ah, mais non, mais ça ne pas. Mais non. Donc, moi je voulais vous complimenter parce que je trouve l'affiche terriblement sexy. Bravo. J'ai dit ça à mon copain quand vous êtes arrivé, à Stevie. Il me dit, tu penses se toucher au numérique? Alors mon petit Stevie, je vais te dire tout de suite quelque c'est chose. Pas vrai. Mon propre cousin Germain m'appelle. Quand il voit la fille sur la photo et il me dit, dis-moi Lolotte, cette photo, elle a quel âge? Ça fait plaisir. Je lui ai dit, petit con, donc je te dis, petit con, cette photo n'est pas retouchée. Mais... Bah, c'est vachement bien parce que Sharon Stone n'a qu'à bien se tenir, presque. Voilà. Non, vraiment bravo. Et je l'ai faite il y a 3 semaines. Ah oui, pour éviter de me reposer une autre question désagréable. Qu'est-ce qu'on prend vite, hein? Donc moi, Qu'est-ce qu'on prend vite? Et ça va me vexer quand tu m'as dit ça. Dans le spectacle de Charlotte de Turckheim, il y a des tas de bonnes blagues. Comme par exemple celle que raconte Caroline Diamant dès que je fais... Oh non, mais vous arrêtez pas de vous foutre de la gueule de mes blagues. Vous les trouvez vieilles et éculées. Alors, peut-être une blague de blonde, puisque Charlotte est blonde. J'adore les blagues de blonde. Alors, je vais essayer une qui n'est pas trop dite. C'est une blonde qui est hôtesse de l'air. Alors, quand elle rentre de voyage, ses copines lui disent « Ah, mais t'étais où ?»« Ah, ben, je reviens de Suisse. » Et ils sont sympas, les Hélène. Alors elle ne sait pas répondre, forcément. Les... Eh ben ça, je commence bien. Ah, oh, ça, c'est la vraie blague de blonde. La blonde qui a pas compris la blague. Oh, quelle horreur. Alors ça, c'est ce qui peut vous arriver de pire. C'est la pire. La blonde qui se plante dans un pompé. Non, non, non. Enterrez-moi, refaites-moi la gueule, quitte la France. Ou quelque chose. Je ne raconterai plus jamais une histoire de toute ma vie. Donc, est-ce qu'ils sont sympas, les Helvètes? Et puis alors, elle ne sait pas ce que c'est, forcément, elle est blonde, elle est con. Hein? On sait ce que c'est. Elles font chez elles, elles regardent dans le dico, elles voient habitants de la Suisse. Ok. Alors reviens un mois plus tard, dis donc, t'étais où alors cette fois-ci? Ah bah j'étais en Grèce. Et alors ils sont sympas, les Hélènes. Alors elles se la bouche ouverte, elles font chez elles, ouvrent le dico, elles voient les habitants de la Grèce. Oh merde, je les aurai la prochaine fois. Donc, la fois d'après, elles voient ses copines. Et alors t'étais où là? Bah je reviens d'Égypte. Et alors elles étaient comment les pyramides? Oh mais on parle pas tous des cons. Alors moi, je me suis penché un peu sur votre vie, j'ai un peu lu tout ce qui avait paru dans la presse. Alors chez elle, c'est multicolore, c'est un arc-en-ciel. Son couloir orange avec la moquette rose. Comment tu sais ça? Ah mais je sais tout, je me renseigne. La moquette rose, une salle de bain verte, une cuisine, les verres multicolores. Enfin c'est voilà, elle met de la vie partout et aussi dans mais la télé des gens. À travers l'écran, elle nous donne de la joie de vivre. J'aime beaucoup cette femme. Oh. Alors je peux dire... Il a travaillé, hein. Que mes filles t'entendent, parce que je sais pas pourquoi, elles se pètent les plombs en ce moment dans l'appartement de toutes les couleurs. Et elles me disent, on en a ras-le-bol de vivre dans un polypocket. Moi, je sais. Vous avez eu
recours à un chromothérapeute pour faire votre appartement, c'est ça? Non, non, ah non, bon. non, spontanément, je sais, moi, les couleurs que j'aime bien. Ça, c'est bien. Vous progressez. À part quelques daltoniens, il y a peu de gens qui ne savent pas quelle couleur ils aiment. Non, mais par exemple... C'est rare, les... chez toi, sont violet et jaune. Non, mais je veux dire, décider de peindre... Ma chambre est jaune tournesol, par exemple, avec la moquette jaune tournesol. C'est un petit peu... Vous voyez, présent. Et alors, puisque c'est un peu le spectacle, vous avez des réactions? Quoi? Quand quelqu'un arrive dans la chambre... Oui. Ah bah oui, est-ce oui. Est-ce que les garçons que vous avez dans votre chambre aiment le jaune? Ah oui, oui, ça, oui, bah, ça va. Ou est-ce qu'ils n'ont pas le temps de voir? Je ne sais pas. Je suis con, mais je suis pas sourde. C'est là que vous avez raison. C'est dingue, ça. Je sais pas pourquoi. Mais qui vous avez eu comme invité avant moi? C'est très insultant pour l'invité d'avant. Oui, pardon, je sais pas pourquoi, je me suis mis à crier. J'ai l'impression que vous compreniez pas. Mais si, mais non, ben je comprenais pas, oui. Bon. Mais je comprenais pas. Alors, parce que la question était... Oui, voilà. Est-ce que vos petits amis supportent le jaune? Mais pourquoi mes petits amis? Je me fais pas non plus la terre entière, exagérez non, pas. Enfin, vous êtes célibataire, Charlotte. Ouais. Non? Ouais, ouais, je suis célibataire. Ah, ah attendez, là, non, c'est pas clair. C'est Nibéry qu'on dit, c'est ça? Nibéry. Ah, j'aime bien cette photo. Ah oui, c'est pas vous. Ah ouais? Si, si, c'est vous. Si, non, c'est moi, c'est la vie, c'est la coupe de cheveux qui change tout. Vous ressemblez à ma copine, Sandrine Delassieux. C'est qui, ça? C'est une copine à moi, elle vous ressemble. À chaque fois que j'habite chez moi, j'ai l'impression de vous avoir à bouffer. Ah bon? Je t'embrasse, oh, Sandrine. Mais alors, l'autre jour, on me fait souvent ça, on me dit souvent, oh, ma belle-sœur vous ressemble, c'est incroyable et tout. Et l'autre jour, justement, il y a un mec qui me dit, mais justement, elle est là, ma belle-sœur, vous allez voir, c'est votre portrait craché. Et alors, et je vois une mocheté. Ça, ah c'est atroce. Mais Sandrine est très jolie, elle. Non. Oui, alors, justement, vous accordez beaucoup d'importance au physique. Oui. Et... vous avez dit que votre homme idéal, c'était un mélange de Borloo, de Niro, Brando et Berry. Voilà. Oh. Donc, avec ça... Alors, essayez de reconnaître si vous pouvez. Mais la chemise de Brando. Non, non, allez-y, essayez de reconnaître. La bouche de Marlon Brando, oui. Les cheveux de Borloo, les yeux de Berry. Non. Si. Non. Les yeux de Richard Berry. Le menton. Le menton. Le menton de Richard Berry et les yeux de Robert De Niro. Oui. Voilà. Il vous plaît celui-là? Non, il est monstrueux. Ah bah alors. Mais peut-être que dans un autre, c'est peut-être pas les bons éléments. Bah, j'en ai un autre à vous proposer. C'est un peu l'Arturo Brachetti de la drague. Il se transforme à volonté selon les goûts de nos invitées féminines. Voici Arnaud Gidouin. Ça, c'est mon genre aussi, un peu. T'as la puce? Oui, mon chéri. T'as? Oh, pardon. Oh. Bonjour, je m'appelle Julien Dardefer. Bon, alors, on va pas y aller par quatre chemins, hein. Je suis acteur. Mm-hmm. Bon, un petit peu dans le style plutôt film sans vêtements, tu vois. Hein? Je vois. Et puis, bon, alors, tu te dis, mais alors, attends, c'est quoi ce mec? C'est quoi ce plan? Enfin, plein de petites questions sur ma personne, un petit peu. Et là, je sors ma carte coup fourré, Charlotte, parce qu'on se connaît. Ouais, on se connaît. Intimement, tu veux dire? Presque intimement, voire plus qu'intimement. C'est possible, c'est possible. J'étais stagiaire sur un film érotique dans lequel t'as joué. Ah oui, ça c'est possible aussi. Si je te dis le gibier, ça t'embouche un coin, ma Charlotte. Ça te rappelle des trucs? Mais hein? Jamais il va me lâcher, Laurent. Jamais. Toi, une petite nana là, en train de faire du vélo pendant qu'une de tes copines se faisait casser ses petites pattes de derrière. Moi, ce qui m'intéresse chez toi, c'est que tu réalises aussi des films. J'adore d'ailleurs, c'est pas mal foutu. Mais pour des films habillés. Je pourrais t'engager d'ailleurs. Ah bah justement, on va voir ça, parce que si tu veux, ce serait bien que tu me fasses un peu travailler les répliques, comme tu diriges un peu les comédiens, tu vois, parce que je prépare un nouveau film, là, Niki la Champouineuse. Oui. Hein? Qui est une sorte de suite de Zorro était une lesbienne, si tu veux. Hein? Un film, toi, petite production, mais grosse... Oui, je vois. Grosse poitrine, quoi. OK. Donc voilà, bon, tu fais pas gaffe au texte, hein, machin, puis surtout, t'essaies de jouer mal, c'est un peu le truc. D'accord. Hein, donc toi, c'est elle, et moi, c'est lui. C'est normal. Alors, attends, je crois que j'ai un poil de ta moustache, déjà. Ah, merde, moi aussi. Ouais, c'est vrai qu'on bouffe pas mal de poils, là-dedans. Ce qui n'est pas très élégant. Non mais vas-y, c'est le début, c'est bien que tu bouffes aussi un petit peu de poils au début, vas-y, allez. C'est pas, ça ne se voit pas, mais c'est fort embarrassant parce que ça me chatouille le nez, c'est si pas tu vrai. Veux. Tu veux dire, attends, regarde, allez, je le vois là, je le vois, t'es coquine, toi, t'as des trucs là, t'en as encore là. Tu mets le truc du poil, voilà. Ah, j'adore les préliminaires, comme ça, vas-y. Allez, vas-y, ma Lolette. Oh, bonjour, monsieur le jardinier. Je vous en prie, madame le proviseur, appelez-moi Nicolas. Oh, mais qu'est-ce que vous cachez sous votre tablier, Nicolas?
C'est un tuteur. Oh, un tuteur. On le plante bien droit et ensuite les très belles plantes grimpent dessus. Oh, c'est dingue les progrès qu'on fait en matière de jardinage. Et voilà. Non, c'est donc le ah, ah oui. C'est un choc au début, hein. Non, mais c'est normal. Non, c'est parce que j'avais pas vu. Vas-y, jette un œil. Ah, c'est le tuteur, ça. Ah, c'est le tuteur. Oh là là. Ouais, tu peux regarder la malalotte, hein. C'est du tuteur. Mais c'est pas du tuteur de compète, ça, Nicolas. Si, non, c'était marqué, c'est du tuteur de compète. Ah, excuse-moi. Non, si tu commences à changer le... Attends, je sais pas, je pense. Attends, faut que je sois épaté. Oui, ah oui. Ah, pardon. Voilà, t'as vu le truc, hein, c'est toi. Ah oui, j'ai comment. Oh là 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 là. Mais c'est du tuteur de compète, ça, Nicolas. Ah, hein. Effarouché, il y a écrit, t'es effarouché, toi. Oui, mais non, tais-toi. Mais oh. Ah, c'est moi qui suis effarouché. Voilà. Parce que là, on rentre dans le vif du sujet. Que, ah, tu vois, là, d'accord. Ça, on va pas non plus passer de 3 heures sur le texte. C'est pas ce qui intéresse les gens. Ah, d'accord, d'accord. Mais attendez, on se connaît à peine. Quelqu'un pourrait nous voir. Oh, arrêtez. Allez, allez, de toute façon, t'en meurs d'envie. Allez, hop. Oh, j'y sais. Oh, vas-y, ma lolotte. Oh, mais Yann, qu'est-ce que t'as la main verte. Oh, vas-y, oh, là. Oh, ma lolotte. Oh, c'est bon. Voilà. Oh, là, là, là. Voilà. Ah, c'était délicieux. Faut s'arrêter, là, je vais marcher un peu, là. Ah, voilà, bon, j'espère que j'étais un petit peu plus au niveau physique. Ça m'a beaucoup plu, c'était une super expérience. Et tout. J'avais jamais fait l'amour comme ça en public. Oh, ouais. Non, jamais. Alors donc, là, peut-être qu'on pourrait se reconnaître un petit peu mieux. Peut-être qu'on pourrait peut-être faire un gibier 2, genre, tu vois, gibier 2, le retour, toi et moi. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, Verdo oui, ou Smack? Donc non, c'est non. Toi qui choisis. Verdo. Ça pourrait être produit par Laurent Ruquier. Ouais. C'est ouais. La flaque ou le Smack. Voilà, la flaque ou le Smack. Oh, tu veux voir, tu me balances le verre dans la tronche ou alors tu m'envoies... Est-ce que la flaque après le sketch ouais. Qu'il a fait... Regardez. Ah. Il n'a pas encore mis Verdon, Arnaud, hein. Action. Voilà, merci, madame. Merci, mon chéri. Merci, hein. On se revoit bientôt, on se revoit bientôt. Bon, ça va, il y a un son d'eau. Ah non, c'est vraiment mon genre. Vous pouvez applaudir Arnaud Gidois. Vous restez avec nous, Charlotte? Oui. Pour le... Est-ce que vous connaissez le nom de la dernière séquence de l'émission? Oui, mais je crois qu'il l'a oublié. Je crois que ça s'appelle Kikakekedene. Non? Vous êtes pardonné, ça a changé depuis la semaine dernière. Non, ça c'est parce que je lis sur... Le kick a déconné. Ah, le kick a déconné. Kick a déconné. C'est un classement qu'on tient au jour le jour et de semaine en semaine et qu'on tiendra tout au long de la saison des personnes qui ont dit ou fait une connerie, parfois grave, parfois pas très grave. Pour l'instant, en tête de notre classement, c'est Nicolas Sarkozy avec 230 points, suivi par l'entraîneur du PSG, Vahid Halilhodžić, et puis Arnold Schwarzenegger est troisième. C'est quatre nouveaux noms que je vous propose aujourd'hui pour entrer dans notre kick à déconner. Je vous propose l'entrée de monsieur Raffarin, parce que ce week-end à Avoriaz, il a quand même dit « Nicolas Sarkozy est mon candidat préféré ». Vu qu'il n'y en a pas d'autres, c'est facile à dire. Est-ce que c'est une connerie à 0, 10, 20 ou 30 points, Caroline? 0. Pourquoi? Parce que par rapport à l'autre qui est super fauderche, que lui soit un petit peu fauderche sur ce coup-là, moi je lui excuse. Ah non, 30. 30, il n'y croit pas une seconde à cette phrase. Perry? Il arrondit les angles, il a raison, qu'il ne va pas faire de polémique. Bah enfin quand même, c'est le cocu de l'affaire quand même. Oui, mais cette phrase-là n'est pas une connerie. Il en a fait peut-être d'autres, mais pas celle-là. Stevie? 0. Pourquoi? Bah, pareil, c'est le cocu de l'affaire et tout, il prend déjà tout dans la gueule. Si en plus nous on en rajoute encore par-dessus, non, faut l'excuser. C'est par charité en fait. Non mais c'est pas facile, mettez-vous à sa place tous les matins, la France entière le critique ce pauvre mec. Le matin, moi je me réveille, je me fous une balle quoi. Non mais attends, mais personne lui a demandé d'être là non plus. C'est parce que vous savez pas ce que la France entière dit de vous alors. Amir? Ben non, parce qu'il dit la vérité, c'est son candidat préféré, il n'y en a qu'un, donc c'est lui. Oui, c'est ça, oui. Christophe, 10 points. Pourquoi? 10 points, ouais, ça me rappelle l'école des fans, moi. Vous lui donnez combien? Je vais lui donner 10. 10. C'est évidemment pas vrai, mais c'est quand même assez classe. Donc voilà. Ça fait un total pour monsieur Jean-Pierre Raffarin de 50 points. C'est pas beaucoup pour son entrée dans notre classement. Alors je vous propose un footballeur maintenant. Fabrice Fiorez, il était au Paris Saint-Germain, il est parti à l'Olympique de Marseille au dernier moment, et il dit... J'ai l'impression de passer de la prison à la liberté. Alors que 8 jours auparavant, il disait « J'adore le PSG, je vais y rester toute ma carrière. » Enfin voilà, le fauderche aussi par excellence, c'est une belle connerie. Ouais, j'ai mis 30 points parce que je trouve que c'est honteux. Tu vois. Honteux, 30 points. Et moi, une prison comme ça à 100 000 euros par mois, j'y vais demain. Hein. Perry, 20 points. Stevie, pourquoi 0 points? Parce que ça m'est égal. Oh, Annie, ouais, on balance pas sur son ancien club. Ah voilà. À l'évêque. J'aime bien Jacques Martin. Il
Dimeco. Et vous, Charla? Ah, moi, comme Stevie, tout ce qui touche le foot de près ou de loin, je m'en fous. Donc, complètement. Donc, neutre. Ça fait un total pour Fioresque de 100 points, quand même. 100 points, bien sûr. Hein? Alors, dernière proposition. Ce serait aussi son entrée dans notre classement, Sharon Stone. Pourquoi ? Parce qu'on a pu apprendre dans le journal du dimanche hier que pour tourner dans la suite de Basic Instinct, elle a réclamé au producteur un chauffeur non fumeur, 3 nounous pour son fils, 2 000 $ d'argent de poche par semaine, 2 assistants, un jet et le droit de conserver tout vêtement ou bijou prêté pendant le film. C'est quand même dingue, non ? Alors, non, vous trouvez ça normal ? Non. Ce que je trouve rigolo dans cette histoire, c'est qu'en fait, elle a eu ces exigences-là et que le producteur a dit « Si vous continuez à exiger ça, je vais les faire apparaître dans la presse. » C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Mais elle n'a pas eu ça, du coup. Ah non, elle n'a rien eu, finalement. Elle n'a rien eu. Elle a rien Mais eu. En même temps... Donc elle a déconné. Bah non, parce qu'ils le demandent tous. Ah oui, vous aussi, vous demandez des trucs pareils? Bah oui, moi aussi, je demande, on me le donne jamais, mais je le demande quand même. Alors, 0, 10, 20 ou 30 points pour Sharon Stone. Elle est belle, elle est intelligente, elle aurait dû être au-dessus de ça, donc 30 points, c'est une grosse connerie. Vandel? Moi, je mets 0, d'autant que si elle a le droit de garder ses petites culottes, ça coûtera rien pour Basic Instinct. Perry? Je suis sidérée, quoi. Non, je trouve ça nul. Hein. 30 points, la note la plus forte, la connerie la plus forte. 0. Pourquoi? Parce qu'elle a bien raison de prendre la thune là où elle est. Oh. Voilà. Vous êtes plutôt pour la politique de Sharon, en quelque sorte. Écoute, si elle a le droit de garder les bijoux, ça a le droit d'avoir un jet privé et 3 nounous. En plus, elle crée des emplois. Bah, Annie, 0, parce qu'elle joue les stars en dehors des plateaux de télévision alors qu'elle n'est pas payée, royale. Et à l'évêque? Oui, 30. Pourquoi? Le chauffeur non fumeur, alors là, vraiment, moi, ça me reste là. Moi, je mets 10. Parce que je suis d'accord avec tout ce qu'elle demande. Après tout, je suis un peu d'accord avec toi. Si elle l'a demandé, c'est que c'est pas par hasard, c'est qu'ils l'ont accordé à plein de gens. Le seul que je trouve idiot, c'est le chauffeur non fumeur. J'en ai marre que tout soit non fumeur, non ceci, non cela. Voilà. Combien? Dans mes bras, mon amour. Ça fait un total de 100 points. Hein, c'est une belle entrée. Hein. Elle arrive dans les 10 premiers, Sharon Stone. Suite du kick à déconner demain. Vous allez vous amuser, en tout cas, amuser les spectateurs des bouffes parisiens. Il recommence à me parler fort, hein, j'ai remarqué. À partir du 14 septembre prochain, Charlotte de Turckheim est au bouffe parisien. Voilà, c'est ça, c'est bien. Voilà, merci à Charlotte de Turckheim, madame.